Yo les gens, c'est Gravity, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le mode multijoueur d'Uncharted 4, donc c'est parti, on va le tester tout simplement. J'espère qu'en tout cas qu'il n'y a pas de mise à jour à faire, enfin pour l'instant, et on va voir comment ça se passe. Donc pour vous dire, je n'ai jamais joué à Uncharted 4, pour ceux qui connaissent pas Uncharted 4, c'est un jeu d'aventure. Tout simplement, où en fait vous incarnez un personnage avec son frère, tout simplement, qui sont à la recherche d'un trésor depuis leur enfance, tout simplement, et à la fin ils réussissent à le trouver, sauf que un de leurs meilleurs potes les a tout simplement trahis, donc est contre eux, donc il a une armée et il essaie de les tuer, etc. Donc voilà, je spoil un peu, c'est vraiment pour ceux qui connaissent pas, donc voilà. Tout simplement, moins de 16 ans, le jeu, pas grand chose à dire. Et jouer à un joueur, 2 à 10 joueurs en ligne, tout simplement. Donc là, on a une petite connexion, parce que voilà, c'est tout simple, hein. J'espère qu'elle va pas durer trop longtemps non plus. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent mon PSN, je le mettrai en description. Et pour tout simplement, pour le normalement, dans 2 semaines, j'aurai Rainbow Six Siege et Ark dans la logique des choses, si j'ai bien passé. Alors j'ai vu que Rainbow Six coûtait 20 et Ark 40 ou 35, donc on aura entre 55 et 60 euros à peu près. Donc voilà, c'est déjà ça. Après voilà, donc alors, je vais vous parler des graphiques d'Uncharted 4 tout simplement. Donc les graphiques d'Uncharted 4 sont vraiment pas mal du tout. Voilà, donc c'est vraiment graphique vraiment bien réalisé. La lumière sur les armes, sur les habits, enfin tout ça est vraiment bien fait. Par contre, je trouve que des fois il y a comme une exagération au niveau de la manipulation du personnage, parce qu'il se balle des fois dans tous les sens, pas correctement, la caméra bouge un peu trop, je trouve. Ça serait un truc qui pourrait rectifier, peut-être pour un prochain Uncharted. Ça, il y a, je pense, Uncharted 5, pourquoi pas, il sortirait, tu vois. Donc, après, on verrait. Mais en tout cas, c'est pas mal tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Donc oui, il y aura aussi une vidéo drone qui sortira dans pas très très longtemps, je pense, il y a 3 semaines, 4 semaines, je pense, le temps que j'achète la carte, tout ça, etc. Donc voilà, tout simplement pour que je lise la carte, donc j'aurai pas mal de petits trucs à acheter comme ça. Donc vous aurez une sortie drone, tout simplement. Donc tout simplement, donc là on a le chargement du didacticiel, donc hop, je pose la main tout simplement, tac, alors oui, non, j'ai rien oublié de vous dire dessus. Non, pas, non, j'ai rien oublié. À part que je le joue sur PS4, donc je pense que vous en doutez. Hein. Il est sur PS4 et Xbox One et PC, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais je sais plus sur PC par contre. Donc c'est parti. Alors. Les méchants tombent, des ennemis que vous avez mis KO. Ok. Maintenant, L1 pour charger votre attaque au corps à corps et appuyez sur carré pour mettre l'ennemi à terre en un coup. Donc, carré et L1. Ok, ça va. Charger le pactage en fin de match en appuyant sur option. Ah, j'ai pas eu le temps de dire, c'est pas grave. Ok, c'est parti, j'espère que vous êtes chaud. Donc là, c'est le didacticiel, les gens. Un peu temps. Nous voudrions vous montrer quelques astuces avant de commencer à jouer maintenant. Okay. Ouais. Ouais, il va vous montrer. Je joue, Ah, ok, si. Pardon, excusez-moi. Ok, c'est parti. Oh, j'ai loupé le truc. Il est où? Ah là. Ok, oh, ok.
C'est vrai que de l'argent, les ennemis sont visibles sur le radar quand on tire. Sauf que les utilisent en silencieux. C'est un silencieux ça, tu fous de ma tronche. Il est là, il est là, il est juste là, à droite. Wow. Ouf, quoi, ça, ça doit faire mal. Ok. Attends, Ok, je suis ma couleur d'action. Ah non, revenez dessus, putain, je suis con. Okay. Oh. Maintenant, et là, appuie sur. Ah, attends, je comprends pas gros. Oui, ok. Attendez, ils me disent quoi? Vous ne maintenez pas L1? Oh putain! Oh la violence! What? C'était... Wow! La boutique. Montre-moi ce que tu sais faire. Regardez-moi ça les gars. Oh la violence les mecs. Quand on a un problème de vermine, on appelle l'exterminateur. Ah ouais non mais là c'est pire que l'exterminateur mon pote. Oh. Regardez-moi ça. Oh là là, oh l'arme les gars. Pourquoi t'as une chanson bizarre là, c'est quoi? Ah non, c'est là. What? Attends. Ah non, je comprends plus rien. Bon, les gens, j'ai rien compris. Ah ouais quand même, c'est... Ah c'est violent. Oh purée. Wow. Oh les gens, trop...
trouver un match. Ça c'est de plus d'échauffement, jouer un match avant en équipe, peut-être. Vas-y, on va faire un petit échauffement, je trouve. Allez, on va speedquitter ça, les gens. Ouais, par contre, je suis quand même un peu impressionné d'avoir tout simplement. Ouais. On va prendre celle-là des gens. Moi, sérieusement? On va voir comment ça se passe. Accepter l'éventualité que vous puissiez mourir. C'était quoi ça? Voilà. Voyons ce que je peux faire. Est-ce qu'ils sont ces petits malins? Allez, putain, attends. Show the night. Thank you.
ta grande gueule. C'est là, il est pour moi. Sale bâtard. Vas-y, désingue. Vas-y. Oui. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Hey, je peux avoir des renforts. Allez, mon poteau. Pas de problème. Ça va pas marcher. Oh la violence! J'assure grave! Mange-toi ça! Oh! Trois terres des potes! Putain. Allez, prends appui sur moi! Vas-y, attendez, on l'aide! Voilà, c'est cool! Merci, mon pote! Ça, c'est cool! Allez! On va les abonnés. C'est simple. Vas-y, j'en profite. Voilà, c'est bon. Je me suis foiré sur le grappin. Alors, ils sont les. Putain, violent! À l'aide! Les gars! Ah, merci! Goûte-moi ça! Bah les gens, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Ouais. Non, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.